Alors, Sky Sports Kaunchandok. Kaunchandok a été critiqué par les fans de Formule 1 sur Twitter après avoir semblé rejeter l'idée de se porter volontaire pour un grand prix virtuel des Millions en Mile afin de collecter des fonds. D'accord. Donc Vincenzo Landino qui a suggéré qu'une course virtuelle se déroulerait sur Twitch pour collecter des fonds pour aider la région dévastée. Bah, c'est ce qu'ils vont faire, je pense, dimanche, hein, de toute façon, avec Redline, là. Chandok n'a pas semblé soutenir cette proposition. Le message original de Landino disait « Avec l'annulation du Grand Prix ce week-end, j'aimerais voir la F1 rassembler les pilotes pour un Grand Prix virtuel des Millions en Mile, dont les bénéfices iront à la région. » Franchement, ça aurait pas été idiot. Hein. Associez-vous à Twitch, faites participer les 20 pilotes et courez à Imola avec de vieilles voitures V10. Vendez vos billets pour 20$. Oui, alors, non, hein. À la limite qu'ils puissent faire des dons, ok, mais vendre un billet 20$, ça, je suis pas trop d'accord. Non, pourquoi vendre un billet 20$? Et qui diffuse gratuitement sur Twitch et les gens ils font des dons après, voilà. Et ils font une cagnotte, à la limite. Comme le Z-Events, le truc là, Zerator, là, qui faisait, il faut faire comme ça. Pourquoi vendre un ticket 20$? Non, non, je suis pas d'accord avec ça. Donc le Dr. Hobbs, co-animateur du podcast Tech Heads F1, a ajouté au fil de discussion en suggérant que Sky Sports couvre l'événement. Il a écrit, je me demande si nous pourrions même en avoir une couverture Sky Sports, en taguant Chandok et ses collègues Croft, Pinkham, etc. Mais Chandok n'a pas semblé impressionné, répondant dans un tweet maintenant supprimé, où pourrions-nous avoir un week-end de congé et rappeler à nos enfants que nous existons? Oh bah Karoun, non, je suis pas trop d'accord non plus là. Si ça te plaît pas ton boulot, tu changes, hein. Tu sais, voilà, il y a d'autres journalistes qui prendront ta place, hein, c'est pas un souci. Hein. Ah ouais, non, je comprends la sauce, hein. Franchement, c'est pas une réponse appropriée avec Caron, hein. Désolé. Hein. Les fans de F1 ont montré leur mécontentement face à la réponse de Shandok. L'un d'eux a estimé que sa réponse montrait qu'il était insensible, étant donné le besoin d'assistance de la région. Mais oui, lui, il pense à sa famille, à ses enfants, à l'autre. Il y en a qui sont morts, hein, quand même. Il y en a 14, j'ai vu, qui sont morts, il y en a 9 de plus qu'il y a quelques jours. Donc là, c'est grave, hein, Caron. Hein. Un autre utilisateur a estimé que l'idée était fabuleuse et a déclaré que la distance de Shandok m'avait époustouflé. Tu m'étonnes. Pas surpris que Shandok ait rapidement supprimé son tweet, ajoutant que son choix de formulation était terrible. Bon, il est dans la sauce, hein, clairement. C'est sûr qu'il va se faire virer à cause de ça. Bon, bref. Je sais pas exactement ce qui va se passer au dimanche avec Redline. Hein. Je sais pas s'ils vont collecter des fonds pour aider les gens. On en saura peut-être plus dans les heures à venir, je pense. Ouais, ciao.